Conseil arcturien, maximisez le potentiel des énergies qui s'exercent sur vous. Nous nous sentons très privilégiés d'avoir l'attention de ceux d'entre vous qui nous accordent leur attention. Nous savons que vous êtes nombreux à vous disputer votre attention en ce moment et nous sommes heureux que vous soyez aussi nombreux que nous à écouter nos transmissions. Vous avez la capacité de sentir la vérité de ce que vous recevez d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et lorsque vous utilisez ce discernement de manière appropriée, vous êtes conduit vers des informations qui font que votre cœur se dilate. Vous vous sentez mieux après avoir reçu la transmission que lorsque vous l'avez commencée. Nous vous conseillons d'utiliser cette même approche pour tout ce que vous absorbez, et cela inclut votre nourriture et ce que vous regardez pour vous divertir ou écouter comme podcast ou musique. Faites plus attention à ce que vous ressentez qu'au fait que quelque chose soit intéressant ou intellectuellement stimulant. Vous pouvez écouter quelqu'un ou quelque chose parce qu'il a les mêmes convictions politiques que vous. Mais à la fin du temps que vous avez passé avec cette personne ou ce groupe, vous vous sentez encore plus mal qu'avant. C'est peut-être une indication que le fait de vous concentrer sur ce sujet particulier abaisse votre vibration, vous opposant à une autre personne et à son groupe. Ce n'est pas le moment de faire cela, et c'est le moment de faire très attention à ce que vous ressentez, car vous voulez vraiment maximiser l'impact des énergies qui sont sur vous en ce moment même. Vous avez la capacité de construire tant de choses, de créer tant de choses et de co-créer avec tant de gens. Et si vous pouvez ressentir la vibration de quelqu'un et remarquer qu'il se sent très bien, alors c'est votre indication que vous êtes destiné à co-créer et à collaborer avec cet individu. Ce que vous pouvez faire ensemble en ce moment est si beau, si merveilleux, si magique, et ce que vous pouvez faire de votre côté est également très excitant. Lorsque vous collaborez avec nous ou avec d'autres dans les royaumes supérieurs, vous maximisez vraiment votre potentiel en tant qu'être créateur et manifestant. Vous n'avez pas besoin d'attendre de voir quelque chose qui vous intéresse pour créer. Vous pouvez créer avec rien de plus qu'un désir de ressentir quelque chose. Vous savez que vous voulez ressentir de la joie, de l'amour, de la paix, de la créativité, de la confiance, de la liberté, etc. Et le fait de vous asseoir dans n'importe laquelle de ces vibrations vous apportera quelque chose à faire sur lequel porter votre attention pour collaborer avec d'autres dans l'accomplissement, et c'est une affirmation de la vie. C'est revigorant de porter votre attention sur quelque chose qui vous fait du bien et de vous y diriger de toutes les manières possibles. Et encore une fois, si vous le faites avec d'autres humains et collaborateurs, non physiques ou autres, vous ajouterez plus d'énergie au projet et vous atteindrez de nouveaux sommets dans votre conscience et dans votre évolution. Et c'est tout ce que vous pouvez vous demander. Vous n'avez pas besoin d'obtenir des récompenses ou des accolades parce que le sentiment est suffisant. Et quand il est suffisant pour vous, alors vous savez que vous êtes vraiment sur quelque chose là-bas, sur la planète Terre. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.